que nous attendons, c'est une gestion efficace du parc, la pérennité et le bien-être de toutes ces espèces qui vivent dans le parc. Nous n'attendons rien d'autre. Il faut préserver le parc dans son état naturel. Organiser les safaris, les visites sans perturber l'écosystème. Faire cohabiter ce parc avec les populations avoisinantes, de sorte qu'il puisse avoir une vie harmonieuse entre les populations qui peuvent également vivre du parc tout en préservant l'écosystème et la quiétude de toutes les espèces qui y vivent. C'est un savoir-faire que nous avons trouvé auprès donc, de APN et David qui a pris ce projet en charge l'exécute merveilleusement, d'autant qu'on a constaté de très vite que la vie a repris, que les endroits où on ne voyait plus les éléphants, les lions, les guépards venir du tout, au bout de 7-8 mois, on les voit réapparaître, épanouis, avec des petits, en bonne santé. C'est extraordinaire. D'abord, grand plaisir à retrouver Monsieur le Président Talon après l'excellente visite du mois de janvier dernier à Cotonou. Donc on a pu mesurer le chemin parcouru, les réformes engagées et le travail sur l'économie béninoise et la bonne relation que nous avons avec les autorités et le souci commun que nous avons d'améliorer la prospérité du pays et de tenir la stabilité sur le plan macroéconomique. On a aussi évoqué les réformes qui restent à faire, les financements qui seront nécessaires pour arriver à trouver le bon chemin vers les objectifs du développement durable de 2030. Donc ce sont des objectifs de long terme, mais qui nécessitent de s'y préparer dès maintenant, et j'espère qu'on pourra avancer ensemble.